Salut, Vlogmas 23. Déjà, je me suis réveillée à 10h. Il y a eu une mini tempête cette nuit, genre j'ai pas dormi. Oh! Et comme la nuit d'avant non plus, eh ben, je me suis fait ma petite grasse mat. Ça fait du bien. Il est 14h30, on est arrivé donc dans la zone un peu commerçante. 14h30, hein, écoutez bien. Et on va au bureau. On a faim, parce qu'on a juste déjeuné. Oh, ça doit être éblouissant. Il y a le soleil qui est en train de se lever. Et après, on va donc à Maison du Monde, peut-être au Leclerc où il y a une zone commerçante. On va voir. Déjà, est-ce qu'ils vont servir un petit encas, un truc à cette heure-là? Je sais pas. On essaye? Oui. Allez, viens. De 11h45 à minuit. Bah écoute, ça veut dire que c'est tout le temps, hein. Tu crois? Excellent. Un tour du monde gagné d'une valeur de 20 000 euros. Merci. Je vous en prie. Et en fait, ils sont ouverts en continu. C'était excellent, hyper copieux. Maison du Monde, on est parti, donc c'est ouvert depuis 15 jours. Ça c'est cool. Le retour des petites babioles. Je vais prendre quand même ça, on sait jamais. Oh que c'est beau. Et voilà, comme à la maison. Je retrouve dans la parapharmacie du centre commercial de Leclerc pour trouver ma crème. La crème que je mets en ce moment qui coûte pas cher, mais c'est le top du top. Mais vraiment, quand je dis le top. Sinon, chez Maison du Monde, j'ai trouvé quelques petites choses que je vous montrerai de toute façon à la maison. Et une autre chose. Bref, je vais jeter un petit coup d'œil quand même sur les barres parce qu'il faut dire qu'il y a des gammes très intéressantes au niveau réparation cutanée, hydratation, à des prix franchement hyper abordables. Des marques très connues, mais que les gens ne pensent pas utiliser. Et vu que moi j'ai un expert qui m'a dit « Prends ça, vraiment », je vous partagerai ma petite astuce en rentrant. Allez, Eric m'attend dans la voiture, il en peut plus. Il n'est même pas sorti, lui. Maison du Monde, non mais en fait, ce qui l'a tué, c'est la bouffe, mais forcément à 3 heures, vous avez vu ce qu'on a mangé? Alors, il est, il est là-bas. On était sur le chemin du retour et il y avait pas mal de routes barrées. Je vous ai parlé que cette nuit, je dormais pas, il y avait de la tempête. Regardez-moi ça. Bon bah c'est routes barrées partout. Oh, regardez, tout ça c'est normalement c'est une route. Le sapin de Noël, il est limite limite. Tout du long c'est barré, c'est noyé. Bon, je pense que chez beaucoup de personnes ça doit être comme ça. Ça a touché quand même pas mal la France. Par contre c'est magnifique là, il y a un coucher de soleil. Mais ça caille. Rentrons, rentrons. Fais péter le chauffage. J'ai froid bébé. C'est impressionnant, hein. C'est splendide, mais ça craint. C'est ça. Mais là, normalement, c'est quoi? C'est que du vert. Ah, c'est que du vert, ça a eu des champs. Oh la vache. Quand même. Oh là 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 là, j'aimerais pas habiter ici. Oh. C'est joli. Ah, faut les avoir accrochés là quand même. Et où est ton cave? On s'en fout. Non mais il est pas du tout. On s'en fout. C'est l'info en direct les amis. Mais que se passe-t-il? Ah écoute bébé, je fais du reportage moi. D'investigation, tu vois. Oh. Ah ouais, ça a quand même pas mal attaqué les sols.
Nous sommes rentrés, plusieurs choses à vous montrer. Je vais commencer par les maisons du monde, ensuite par la pharmacie, même s'il n'y a que deux éléments. Je n'oublie pas calendrier de l'Avent et celui. Alors, ma maman, elle a eu un sachet de thé, je ne sais plus la marque, bon, de toute façon, tout est noté. On va regarder le 23, mais je vous redis maintenant pour le vlog en fait du 24, donc le vlog de demain. Il sortira, j'essaierai de le mettre soit à 10h du matin, soit à 9h du matin, et celui du 25, parce que je vous en fais un 25, donc j'ai essayé de vlogger la soirée de Noël, ça reviendra donc à 18h le 25, mais bon, donc voilà, celui de demain, très certainement, en tout cas avant midi. Alors, très lourd, It Cosmetics, mais ça veut pas dire, hein. Des fois il y a écrit ça, puis ça n'a rien à voir, ça a du mal à sortir tout ça, et bah... Et c'est pas le 24. Lancôme, la vie est belle, j'imagine, parce que rien n'est noté. Alors j'ai senti, ça sent vraiment le parfum. Je pense que c'est une crème hydratante corporelle en format crème visage. Ou alors c'est pour le visage. J'en sais rien, je vais vous dire. Rien n'est noté. En tout cas, très très beau format. Alors, hop. Oh bah super, ça commence bien. Bravo. Et j'ai pris ce pot avec... la tige qui est à moitié cassée. Merde. 10,90€ cette plante cassée. Voilà. Super. Ensuite, cette sublime bougie. Cette grosse jarre bougie. Nature qui sent d'ailleurs très bon. Hein. Moi, je vais pas la brûler hein, déjà parce que. Non, je ne les brûle pas. C'est vraiment, ça reste de la déco. J'ai pas le prix. Je crois que c'était 10€ également. Petite bougie numéro 30 Boston, elle sent divinement bon, c'est sous forme de boîte de conserve. J'aime beaucoup le design, ça va être parfait en déco. 4,99€. Ah si, c'est bon, j'ai retrouvé le papier. 14,99€ la grosse bougie. J'ai trouvé, attention focus, bon ça c'était au niveau des caisses, un crayon diamant. On est d'accord, c'est très bling bling, mais je le trouvais quand même mignon. 4,99€, comme ceci. Toujours besoin de crayons dans mon bureau, en tout cas. Il est plutôt joli. Et enfin, je me suis pris une figurine qui est juste super mignonne, la petite souris. C'était le dernier modèle, donc c'est souris avec sa cape qui donne un cadeau, la couronne. On a ça, mais on peut l'enlever, évidemment. Moi, je ne le mets pas dans le sapin. C'est tellement beau. Et cette petite figurine, tous les ans j'en achète une à Maison du Monde pour Noël ou autre, je les garde toute l'année, 3,99€, trop belle. Ensuite, donc j'ai pris ceci, j'ai fait le plein avec cette offre spéciale Avène lotion micellaire, lotion nettoie démaquille. C'est des gros pots hein, de 500ml à chaque fois. Et j'ai repris ma crème de jour, 14€, Tolériane, extrême, crème texture riche, elle est top, stérile, cosmétique. Avène, vraiment je vous la conseille pour tout type de peau hypersensible, c'est en plus hyper hydratant. Et ce que je dois vous dire, c'est que ma maman va partir, m'a dit voilà, pour un certain montant, je n'ai pas encore fait ton cadeau, qu'est-ce que tu veux? Je te propose, si tu vas chez Maison du Monde et que tu trouves quelque chose qui te plaît, tu le prends et ça sera mon cadeau. J'y suis allée mais sans vraiment, je me suis dit bon, je ne trouverai pas forcément, mais si, j'ai trouvé un miroir magnifique, mais magnifique. Il est dans l'autre pièce, il est tout entouré, protégé. Vous savez, je voulais un miroir Maison du Monde. Deux fois il était livré, deux fois il était cassé. C'est absolument pas le même modèle, rien à voir, différent. Je l'ai mis là, il est entouré comme je vous disais. Et bah, je l'ouvrirai avec vous le 25, donc vous le verrez dans le vlog du 26. Ouais, je pense que je ferai quand même un vlog le 26. Et bah, j'ai trop gros coup de cœur. C'était la dernière pièce du magasin. Une pièce assez essentielle. Vous l'aurez peut-être vu d'ailleurs juste dans les images avant. Et même les vendeuses ont dit « Oh là là, c'est le dernier, il est trop beau. » Les gens, enfin, coup de cœur. Coup de cœur. Voilà, je vais en profiter pour clôturer maintenant. Et justement, monter ce vlog, m'avancer. Et vous dire à demain, donc dans un vlog qui sera, n'oubliez pas, programmé plus tôt. Je vous embrasse très fort et vous dis à demain. Salut !